Bonjour mes amis, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va préparer un plat. Voilà, c'est pas un plat, c'est des nems aux légumes. Ça c'est, j'ai une aubergine, champignons parfumés, vermicelle, un morceau de courgette, un piment doux. Et bien sûr, indispensable, il faut des galettes de riz. Et maintenant, je vais préparer des petits légumes, coupés en tout petits morceaux ou en petits dés. Et là, je vais couper en petits lamelles comme ça, c'est possible. C'est pratique. Et les vermicelles coupées en tout petits morceaux pareil. Il faut tremper dans l'eau tiède, pas besoin de bouillir, mais les champignons parfumés, il faut bouillir. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas de la viande. Après avoir coupé en petits dés ou en petits bâtonnets, tous les ingrédients comme courgettes, aubergines, piment doux et champignons parfumés et vermicelle de soja. J'ai fait poêler un petit peu avec du beurre. Et maintenant, je vais rouler tout de suite dans les feuilles des nems. Ça, c'est les feuilles de nems. Je vais tremper dans l'eau et je vais faire des rouleaux comme petits rouleaux. Comme celle-ci. Voilà. Mettre dans l'eau tiède, mais pas trop longtemps. Parce que ça colle si vous n'avez pas enlevé tout de suite. Et là, c'est dans c'est mieux que je vais mettre dans le plan de travail comme celle-ci pour que la feuille de riz ça ne colle pas trop comme ça. Ok. Et maintenant, je vais mettre tout de suite la farce, un petit peu de tout. C'est un peu chaud, mais sans problème. Voilà. Et je vais rouler facilement. Voilà, comme ça. Je touche pas la farce. Je tire comme ça et rabattre. Je vais faire rabattre les deux côtés. C'est jusqu'à les nems, pas trop long. Comme ça. Et on peut manger à la vapeur comme d'habitude. Ou rouiller à la poêle. À la vapeur ou rouiller. C'est possible. Et voilà, il faut la farce pas trop mou, pas trop d'eau. Voilà. Faut pas mettre les œufs. C'est possible aussi, mais si vous allez mettre les œufs, ça donne beaucoup d'eau. Voilà. Vous pouvez faire comme ça colle automatiquement. Comme ça. Même entre les nems, faut pas il faut mettre toujours voilà un petit peu de la séparation comme ça. Et là, avant de manger, vous allez rouiller ou vous allez faire à la poêle,
à la vapeur, comme ça. Alors, si vous allez mettre tout de suite les uns sur les autres, ça colle automatique. C'est pour ça que je vais mettre séparé là, la séparation un petit peu comme ça. Sinon c'est tout percé là, comme ça, entre l'un et l'autre avec la feuille de kombaba. Sinon il faut attendre un petit peu et voilà, vous pouvez le mettre dans le frigo avant de manger. Voilà, c'est très pratique à la vapeur ou à la poêle. Merci beaucoup de faire attention pour la préparation des farces. Faut pas trop mouiller, faut un petit peu sécher comme ça. Ça c'est facile à rouler. Là, c'est une salade mixte, c'est très bon à manger aussi. Voilà, au revoir et à très bientôt avec les autres recettes des nems végétariens. Merci, n'oubliez pas de mettre le like, share et comment pour moi s'il vous plaît.